bon, c'est les... la technologie, c'est une technologie d'avenir, hein, tout ce qui touche à l'électrique. Hein. Que ce soit la pile à combustible, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les bornes de recharge. C'est exactement ce qu'il nous faut maintenant. Prius 3. Ah, Prius 3 consomme autant que ce que j'ai consommé avec la Twingo. Chercher l'erreur. Une petite astuce concernant l'entretien de la planche de bord, parce que la planche de bord elle est noire. Alors évidemment que le soleil ça chauffe. Hein. Elle est très statique. Elle attire la poussière, mais pas trop. C'est quand même pas mal. J'ai connu des voitures qui étaient beaucoup plus salissantes. Et bien avec un... Vous savez, le switcher, là, le plumeau, là, c'est pas de la plume d'autruche. C'est antistatique avec un traitement fait exprès pour retenir les poussières. Alors ça, c'est vraiment le top. Hein, parce qu'on n'a pas besoin de s'allonger sur le devant de la voiture pour pouvoir faire le fond de la planche de bord. Parce que là-bas, c'est loin. Hein. C'est vrai que la Zoé, elle est extrêmement... Hein, il y a un pare-brise qui est vraiment grand. Hein. La Twingo, c'est ça, ch'toc. Mais la Zoé, dis donc... Ah, ça fait des grandes planches de bord. Tableau de bord. Sur les betteraves, toujours, hein. Les cultures les plus... celles qui rapportent le plus, évidemment. C'est normal, ça se comprend. De toute façon, maintenant, avec le bouleversement climatique, il y a des cultures qui vont... qui vont être ralenties, voire stoppées, parce que trop gourmandes en eau. Hein. Puis d'autres cultures qui seront mises en avant, que l'on ne connaît pas encore. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un ingénieur français qui a créé un système d'approvisionnement d'eau pour les plantes. C'est à base de... C'est pas du polystyrène. C'est une matière à part, complètement biodégradable. Il suffit de remplir, enfin ça se remplit comme une éponge. Il suffit d'imbiber cette matière, de la disperser dans les cultures. Ça se fait très facilement, hein, comme des graines, apparemment. Et les plantes sont nourries pour un sacré moment. Il n'y a plus besoin de les arroser. Et elles sont nourries, enfin, elles sont alimentées au pied de la plante. Ça ne tombe pas sur les feuilles. Je n'ai pas des maladies. Bah oui, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas. C'est parce que ça fonctionne trop bien. On se doute bien pourquoi ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais oui, il faut parler de tout, faut parler de l'électrique, mais aussi l'écologie et les solutions qui existent et puis qui malheureusement perturbent et ça gêne, et voilà. C'est triste. Ouais. Mini maïs, quoi que cela, non, ils sont à hauteur d'homme. Il faut voir ce qu'il y a au bout, hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. L'épi de maïs, c'est pas grand. Alors ici, ils ont fait une station de service à Leclerc, toute neuve, mais il n'y a pas de borne de recharge. Pourtant, c'est sur un axe vraiment emprunté. Bah non. Bah, vous voyez, ça, c'est encore une aberration maintenant. Des pompes à essence et pas de borne de recharge. Et ça, c'est le gérant qui décide. Hein. Bah, le gérant, il... gros machin diesel là, fumante, et puis électrique, on rêve lui, hein. Alors sur la vidéo de Zoé 40 User, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas l'écran Erlink.
Airlink. Ah non. C'est toujours en vente. Hein. C'est la moins chère des Zoé. Est-ce utile l'écran ou est-ce pas utile? Ça, c'est à l'usage. Hein. Le smartphone peut faire très bien l'affaire au niveau du GPS. C'est pas un problème. C'est le moteur Renault R90, donc c'est pas de souci. Et il roule, hein. Il roule beaucoup. Ah oui, on s'en prive pas. C'est un axe très emprunté. En montant et en descendant. Hein. Ici, il y a du monde. C'est pour ça que je dis une borne de recharge ici, c'est pas un luxe. Hein. Les communes qu'on traverse, c'est qu'ils ont des bornes de recharge. Il faut faire un écart. Que là, sur le Leclerc, vous êtes directement sur le commerce. Bon, il n'y a pas de buvette. Hein. Il n'y a pas de cafette. Mais bon. Il faut dire aussi que l'implantation des bornes, on ne demande pas l'avis aux habitants. Hein. C'est-à-dire que si des personnes arrivent avec des voitures, il fait chaud, il fait froid, et elles mettent leur climatisation ou chauffage en route, ça fait quand même du bruit. C'est pas violent, c'est sûr, mais ça fait quand même du bruit et ça peut éventuellement déranger les personnes, les habitants. Et ils étaient tranquilles auparavant, d'un seul coup il y a une borne électrique, il y a du passage, il y a du mouvement, ils ne sont pas habitués. Hein. Donc l'implantation des bornes, c'est toujours quelque chose d'important. On va faire ça en dépit du bon sens. Il faut aussi maintenant des stations de recharge. Et quand je dis des stations de recharge, ce sont vraiment des grands groupes, des groupes de bornes. 4, 5, 6, 8. Au bord des axes comme ici là, ça c'est important. Toujours je reviens sur le devant avec les bornes. Ah oui, c'est avec ça qu'on s'alimente en électricité. Elles sont cuites, là. Ça poussera plus, c'est fini. Voilà. Perte sèche. Ça ne servira même pas pour nourrir les animaux. Si je recharge tous les 2-3 jours ma voiture alors que je fais que de la route, j'imagine bien que les citadins, eux, ils vont recharger une fois tous les 15 jours. Hein. Donc tout l'intérêt d'une voiture électrique, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Si vous faites exactement le kilométrage que je fais, c'est-à-dire ben, vous ne ferez pas, en ville on roule beaucoup moins. Mais admettons que vous faites 30 km ou 40 km par jour, vous allez faire une recharge tous les 10 jours, 15 jours. Oui, c'est bien ça, sur une borne. Et ça va très vite. Toute la température du monde. Je vous ai aussi parlé de l'accélération des voitures électriques. Là, vous avez dû voir ma vidéo. Et justement, la puissance d'accélération. Alors, comme c'est tellement violent et brutal, un électrique, quand c'est puissant, hein, on voit les Tesla modèle 3, modèle XS, d'autres modèles qui arrivent avec des 0 à 100 à partir de 2 secondes et demie. Bon, ça, c'est pour la plus puissante. Hein, et 3 secondes et demie, c'est déjà pas mal. Hein.
4 secondes et demie, 5 secondes et demie. C'est vrai que ça coupe la respiration. Quand vous êtes assis, qu'il y a une accélération comme ça, c'est pas un avion de chasse, hein, mais c'est quelque chose qui vous plaque sur le dossier, ça vous, à la force centrifuge, elle vous empêche de mettre un bras en avant, quasiment, et la respiration, elle est coupée. On est en apnée, en quelque sorte, pendant quelques secondes. Ça, c'est pas rien de le dire, hein, parce que des personnes, peut-être, qui supporteraient pas. Même au niveau cardiaque, il faut y penser. Ce genre de score en accélération, il y a quelques années en arrière, on les trouvait sur les voitures de... Bah, sur les Formule 1. Eh oui. Bah, maintenant, elles sont accessibles sur des électriques. Ah ouais, il faut y penser aussi. Je dis pas que c'est tout le monde qui va accélérer comme ça, mais... il est facile d'avoir maintenant des voitures hyper performantes pour un prix raisonnable, avec un puissant d'accélération et sans faire patiner les roues, c'est ça qui est extraordinaire. 4 roues motrices, hein, ça transmet toute la puissance au sol. Hein. La nouvelle Zoé descendra en dessous des 10 secondes de 0 à 100. J'ai plus le chiffre exact en tête. Ici, cette rocade, c'est... ils me font peur. Ils comprennent pas qu'ils arrivent tellement vite qu'on peut pas les entendre, qu'ils sont déjà sur nous. Et c'est là le danger. Que si j'avais fait un petit écart à gauche, moi ou d'autres, hein, bah le gars, il va contre les glissières de sécurité, il est coupé en deux. Hein. Ah bah ici, faut voir un peu. Hein. Les accidents de la route, c'est récurrent. Hein. Ils prennent trop de risques. Hein. Ils viennent de la ville, ils se défoulent sur la rocade. Bon bah, ils font comme ils veulent, mais bon, ils prennent des risques. Hein. Là, les glissières, elles sont pas faites pour les motards. Hein. Elles protègent pas les motards au niveau du sol. Vous vous rendez compte, si vous tapez là-dedans à 100 km/h, bon bah, et non. Je préfère dans le morbide, hein, mais enfin bon. Toujours. Le canal est bien plein parce que l'axe se vide. Trompeur, hein. Les gens vont croire qu'il y a de l'eau, parce qu'ils voient le canal qui est plein. Ah mais s'il est plein, c'est parce qu'il y a, il y a un réservoir qui alimente le canal. Ça. Ça peut percuter partout. Ici, il y a un trou, il n'a jamais été à sec, un trou d'eau. Il y a de l'eau, et là, il baisse. Il n'est pas à sec. Hein. Il montait une partie par la Seine, un petit bras de Seine qui passe là. C'est pour ça que les arbres ne sont pas trop vilains. Il y a les racines dans l'eau, il y a beaucoup de peupliers. Les essences d'arbres qui vont disparaître, comme le frêne. Le frêne souffre, celui qui souffre en premier de la chaleur. Qui dure trop longtemps. Alors évidemment, pour éviter tous ces... limiter la casse, et ben, il faut limiter le CO2. C'est lui. Quand vous achetez un paquet de gruyère râpé en grande surface, comment croyez-vous qu'il est conservé le gruyère ? Avec du CO2. Il conserve le gruyère. Ça l'empêche de vivre. Les microbes ne se développent pas. Il n'y a pas de vie. Bah, c'est ce qui se passe sur Terre. On se transforme en... pas en gruyère, mais... si ça continue, bah, on sera conservé mais mort.
Voilà. Ah, c'est une image que je donne, mais c'est la réalité. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Hein, vous avez vu, je parle tout. Hein, bon, vous verrez bien hein, les commentaires, hein, si ça vous convient ou pas. Pas de soucis. Hein. Et je vous dis à bientôt. Merci.